Eh bien, nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir monsieur... Monsieur Grimpoir. Monsieur Grimpoir, de Paris. Oui, de Paris. De Paris même. De Paris. Oui. Dixième. Alors, monsieur Grimpoir, vous allez jouer avec nous au qui perd père. Oui. Monsieur Grimpoir, vous connaissez la règle du jeu. Quatre questions. 10 000 francs, 1 000 francs, 100 francs, rien du tout. Oui. Alors, attention, monsieur. Première question. Vous êtes prêts? Quelle est la différence entre un pigeon? C'est facile. Top chronomètre, eh bien, monsieur, alors vous dormiez. Non, je... C'était pourtant facile. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Vous pouvez encore gagner 1000 francs, je vous le signale. Alors attention. Quel âge avait Rimbaud? 16 ans. Ah non, 27. 27? Oui, il avait 27 ans. Oui, ça dépend quand, mais il avait 27 ans. Oui, attention, alors monsieur, attention, troisième question, vous pouvez encore gagner 100 francs. Oui. Troisième question, monsieur, attention, cette question contient un piège. Monsieur, le russe Ishlakov a sauté 2 mètres 31. Pouvez-vous dire mieux? Non. Attention, monsieur, c'est un piège. Je vous demande, est-ce que vous pouvez dire mieux? Non, je ne vois pas. Malheureusement, je ne m'intéresse pas au sport et... Je ne peux pas vous dire mieux, hein. 2 mètres 31, non, je ne vois pas, non. Monsieur, attention, top chronomètre, monsieur, le mot mieux. Est-ce que vous pouvez dire mieux, le mot mieux? Dites-le. Mieux. Redites-le, monsieur. Mieux. Trop tard. Ah oui, fallait le dire avant. Je le savais. Ah ben, fallait le dire, alors. Quand on ne sait pas, je comprends qu'on ne dise pas, mais si vous le savez, fallait le dire. Oh, con, hein. Bon, monsieur, quatrième question du qui perd père. À partir de maintenant, vous jouez avec votre argent. Alors, après l'augmentation des salaires, l'entreprise tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Passe-moi. Eh non, monsieur, des chômeurs. Eh oui, monsieur, vous avez perdu. Alors, vous perdez 100 francs, ça nous a fait plaisir. Vous venez quand vous voulez. Merci et à demain si vous le voulez bien.